Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le design et l'intérieur de ce nouveau Mitsubishi Eclipse Cross en version PHEV 188 chevaux. C'est parti. Alors comme vous le savez, le Mitsubishi Eclipse Cross existait déjà depuis 2022, mais en version uniquement thermique. Donc là, nous avons la version maintenant PHEV, c'est-à-dire la version hybride rechargeable avec un moteur thermique de 2,4 litres 4 cylindres et deux moteurs électriques, donc qui développe sur la totalité 188 chevaux, en sachant qu'aucun des moteurs ne fonctionne en simultané. Donc on a un ensemble de prestations qui permet de jouer sur. Donc ici on le retrouve dans sa version rechargeable. Donc ici on le retrouve dans sa version hybride rechargeable avec un moteur thermique 2,4 litres 4 cylindres et deux moteurs électriques avant et arrière qui lui confèrent une puissance globale de 188 chevaux, en sachant qu'aucun des trois moteurs ne fonctionne en simultané. Alors côté design, ce nouveau Mitsubishi Eclipse Cross adopte une face avant qui a été un petit peu modifiée, notamment au niveau des arches avant qui sont chromées, des feux qui sont légèrement maintenant effilés, de cette calandre noire laquée qui est un petit peu pointue sur l'avant, proéminente, qui donne un effet d'agressivité sur cette face avant qui englobe le logo Mitsubishi. C'est un gros bébé hein, qui s'est rallongé un tout petit peu. Hein, il fait 4,54 m de long pour une hauteur d'1,68 m. Donc cette face avant avec ce logo en position centrale sur cette calandre, comme je viens de vous le dire, qui est en noir laqué, qui donne un effet sensiblement de pénétration dans l'air. Avec le marquage maintenant Eclipse Cross qui apparaît sur le capot, c'est une option. On voit ces feux avant de jour, cette calandre et ce pare-choc avant qui est complètement revu. On retrouve le marquage plug-in hybride. Donc la voiture est chaussée sur des pneus Yokohama qui sont en je ne sais pas en quoi. Donc elle est chaussée sur des jantes de 18 pouces, vous voyez, en alu. Donc ici dans un gris avec des teintes laquées noires, une face arrière qui ne change pas tellement. On retrouve effectivement, mis à part le marquage PHEV, on retrouve ce design à la japonaise. Donc, on aime ou on n'aime pas. Dans cette version avec toit ouvrant, on passera à l'intérieur un petit peu après. Donc, vous avez d'un côté prise pour le carburant et de l'autre côté, pour ce qui est des recharges, des prises au niveau. Voilà, on peut dire sur le design extérieur, au niveau coffre, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a un coffre qui est un petit peu réduit à 329 litres, du fait, vous voyez, du moteur électrique. Et donc nous avons tout ce qui est prise, batterie, au-dessus du moteur électrique, vous le voyez. Particularité, on a même une prise de courant. Ça peut être très pratique, pardon. Voilà, hop. On peut dire sur l'extérieur de cette
Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'extérieur de cette Eclipse Cross New Look, on va dire, hein, avec cette nouvelle motorisation. Et là, on va passer à l'intérieur. Alors, côté intérieur, eh bien écoutez, on est dans un univers à la japonaise avec un affichage tête haute. On a un univers à bord qui est fonctionnel, mais reconnaissons-le, un petit peu daté et dépassé, notamment tout ce qui est infodivertissement, puisque on a un écran seulement de 8 pouces. Mais bon, voilà, vous avez un certain nombre d'équipements qui permettent de recharger filairement les téléphones. Vous avez les sièges chauffants. Alors, l'intérieur est en cuir bicolore. Cette bonne facture avec toit ouvrant. Donc, énormément d'options sur cette voiture, hein. Vous avez les alertes de franchissement de ligne, vous avez les caméras 360 degrés, vous avez les régulateurs de vitesse, vous avez le système de réduction de vitesse, vous avez les doubles toits donc vitrés à l'avant et à l'arrière, vous avez donc des projecteurs LED comme je vous l'avais indiqué, climatisation automatique bizone, les sièges avant et latéraux arrière chauffants, la sellerie donc comme précisé cuir. Vous avez donc le chauffage électrique, la radio numérique, le système de navigation TomTom, mais qui est un petit peu maintenant, avouons-le, dépassé. Et puis après, vous avez tout ce qui est classique qu'on retrouve en termes de mode, hein. Voilà. Et vous avez surtout les différentes modes de conduite, vous voyez, qu'on va indiquer par ici et qui vous permettent. Voilà, qui vous permettent de passer du mode, voilà, je sais pas si on voit bien, voilà, qui permettent de passer différents états, vous voyez, tout ce qui est neige, boue, version normale, version éco, version autoroute. Voilà, donc des éléments avec ce petit levier de vitesse, avec la position de récupération d'énergie en B et les palettes à l'avant, avec cinq niveaux de récupération d'énergie. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'intérieur de ce Mitsubishi Eclipse Cross. On va passer à l'arrière pour voir. Alors, à l'arrière, l'habitabilité, elle est relativement exceptionnelle. On a énormément de place, que ce soit au niveau de la tête. Les finitions intérieures sont de bonne facture, avec du cuir, du plastique, alors du plastique un peu dur, de l'imitation carbone. Vous avez également les sièges arrière qui sont chauffants, avec 2 degrés de température. Vous avez du laquais noir. Donc, les passagers peuvent voyager dans un univers assez sympathique. Et j'aime beaucoup ce côté biton de la sellerie. C'est, ma foi, pas mal du tout. Il y a beaucoup de place avec cette banquette arrière. Donc, on a bien cinq vraies places. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Voilà. Eh bien, j'espère que cette présentation rapide de ce Mitsubishi Eclipse Cross PHEV vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain essai sur GT Passion. À bientôt, ciao.